Le diabète mieux avec le Kalalou-Gombo, type 2. Le diabète est une maladie qui doit être traitée avec beaucoup d'attention. À cause de cela, ceux qui souffrent de cette maladie cherchent des traitements naturels sans fin pour le diabète, principalement parce que les traitements naturels ont moins d'effets secondaires que la médecine traditionnelle. Dans alternatives pour traiter le diabète doivent au Kalalou-Gombo, qui est utilisé à des régimes alimentaires qui sont riches en fibres, vitamines et antioxydants, une plante idéale pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Gombo. Okra, aussi connu comme le gombo ou le gombo, dont le nom botanique est le gombo, est un légume qui aide les niveaux de sucre dans le contrôle dans le sang, ainsi que de fournir d'autres avantages pour la santé. Ce légume est faible en calories et ne fournit 30 calories pour 100 grammes, sans graisse ou de cholestérol saturé. Sont également riches en éléments nutritifs et contiennent de la vitamine C et K, ainsi que d'importantes quantités de magnésium. Sont des aliments non toxiques et ne pas avoir effet secondaire pour ceux qui consomment. Okra alimentaire pour le diabète. La meilleure façon d'utiliser le gombo de contrôler notre diabète est par l'utilisation de gombo de l'eau, qui doit être préparé à la maison comme un remède naturel pour générer le gombo de l'eau, parce que prenez 2 gombos et la coupe se termine. Cette plante exsude un liquide qui ne doit pas être lavé à la nuit. Un verre d'eau, laissez la plante dans l'eau et recouvert d'une plaque le lendemain matin. Le légume est être retiré du verre d'eau, et l'eau doit être bue. Comme un traitement naturel pour le diabète, le gombo préparé, cette eau tous les jours et toujours doit être bu dans la matinée pour commander. Ainsi, nos niveaux élevés de sucre dans le sang est important de considérer que l'eau contribue au Kalalou-Gombo à contrôler le diabète mieux. Bien que vous avez fait cuire le gombo, est également recommandé d'ajouter le gombo à nos soupes. En prenant cette huile végétale trempée dans l'eau génère une récupération plus rapide des niveaux de sucre dans le sang quand ils sont élevés. Okra général de la connaissance a des propriétés antidiabétiques, car il a la fibre soluble qui nous aide à ralentir l'absorption du sucre dans le sang, également en mesure de réduire la charge glycémique du glucose dans le sang, qui, sinon traité, génère une perturbation en fonction de l'organisme qui est responsable de correctement le sucre de processus dans le sang, ce qui a conduit au diabète. Les fibres solubles génèrent un type de gel à l'intérieur de nos intestins, qui ralentit l'absorption du sucre par l'intestin. Cette fibre soluble est également responsable pour réduire le cholestérol. Diabète okra. Cette plante offre les avantages suivants pour les personnes atteintes de diabète. Fibres solubles de livraison. Les fibres solubles sont bénéfiques pour le traitement du diabète, car ils jouent un rôle important dans la digestion des glucides certains. Cette plante a des quantités riches en fibres solubles, ce qui contribue à ralentir le processus de digestion et diminue l'impact causé par les niveaux de sucre de glucides dans le sang. Il est une source riche en antioxydants. Les gens qui mangent une variété d'aliments riches en antioxydants réussiront dans la prévention des maladies telles que le cancer, le vieillissement prématuré et des maladies qui affectent le gombo cardiaque a beaucoup d'antioxydants comme la catéchine et des procyanidines et sautera donc. Cette plante non seulement aide à prévenir diverses maladies, il permet également le traitement du diabète. Aide à améliorer la digestion, parce que cette plante, que ce soit avec des fibres solubles, nous aide à accélérer notre système digestif, l'amélioration des niveaux de sucre dans le sang et réduire le risque de maladies cardiaques. Vitamines et minéraux. Le gombo est une excellente source de vitamines et de minéraux, car il contient des vitamines A, B6, C et K en compagnie de minéraux comme le magnésium, le cuivre, l'acide folique, le calcium et le potassium. Ces minéraux et vitamines nous aident à améliorer le système immunitaire et éliminer les toxines dans le corps.